Donc quand je fais vibrer la corde, par exemple la corde la plus en haut là, vous voyez que vous entendez un son. Vous êtes content d'être venu. Hein. Guitare, on l'a fait jouer là. Comme Do ici, ce que j'ai mis attention, c'est vraiment le 3 demi puissance 12 ici, et non pas le 2 puissance 7. Et donc, vous pouvez écouter cette succession. Là, je vous la passe maintenant. Donc, je vais jouer demi, et je vais me la jouer Hendrix. Le gars pas prétentieux déjà, je vais jouer demi et je vais faire Hendrix. Enfin, lui il le faisait, c'était rock, mais bon bref. Ça c'est un mi. Alors, en fait, pardon, je vais quand même faire une certaine cohérence pédagogique. Je parle de do ici et je vous joue un mi. C'est nul. Je vais jouer un do et je vais jouer le do dessus. On reprend? Ok. Eh ben, je peux comme ça connaître l'évolution temporelle de la forme de la corde. Ben ça, je l'ai fait dans une petite animation. Donc voilà, j'ai mis le AN qui est ici, là. J'ai choisi pour A le rapport A sur L, par exemple, un quart ou un cinquième. J'ai dû faire les deux, enfin, vous le verrez sur la vidéo. Donc on a ici... Là, on pourrait ouvrir la porte de... La porte de Pandore, j'allais dire. C'est une expression qui n'existe pas. Mais on va le dire quand même. Non, ok. Vous avez le droit de ne pas l'entendre. C'est une expérience. Je vais jouer, par exemple... alors, évidemment, j'ai dit des do tout depuis tout à l'heure et je vais vous jouer une autre note, mais peu importe. Imaginez que ça soit un do. S'il n'y a personne qui a l'oreille absolue, ça ne vous choquera pas. C'est un do. Et là, je reçois 12 000 mails sur YouTube. C'est une honte. Ok, c'est un mi, en fait. Vous entendez une note là. Je vais maintenant la jouer, cette corde, sans. Là, vous voyez que j'ai essayé d'étouffer les autres. Je la joue et je laisse faire. Et je vais l'arrêter, cette note là, cette corde là. Vous entendez un petit son résiduel? Qu'est-ce qui se passe là? Il se passe que la vibration de cette corde là a mis en mouvement les autres cordes. Certaines d'entre elles ont plus résonné que d'autres. Et si ce que je vous dis est correct, la corde de sol devrait avoir plus résonné que les autres. La corde de sol ici, ah non pardon, c'est un mi. Je vais jouer un do. Non mais sérieux, non, parce que si je commence à vous refaire le même diagramme avec un mi au départ, on va juste plus rien comprendre. Je fais un do et on va écouter ce qui se passe. Pourquoi, est-ce que vous pouvez me dire pourquoi effectivement on entend un son? Ah tiens, j'ai pas mis la caméra je crois. Si, elle est mise. Putain, je l'ai mise sans m'en rendre compte. Ok. Le gars stressé. Je vais revérifier un coup parce que... Non, ça va. On recommence. Donc, quand...